Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve chez IMAX Auto et on va filmer la RS4 B8 que vous voyez derrière. Allez, c'est parti. Donc comme vous voyez les gars, la magnifique RS4 que j'avais ramenée avec la C63S qui est partie du jour au lendemain, elle a été vendue. Donc là, celle-ci est disponible à la vente. Donc c'est un RS4 version B8, moteur Atmo de 450 chevaux, FSI. Ça fait un bruit, vous allez voir après quand je vais démarrer. Donc elle est dans un état clinique, regardez ce gris là, ça ressort vachement les formes du véhicule. Avec les jantes rotor en 20 pouces, bicolore, franchement magnifique comme ça, j'adore. Donc vous avez le devant qui est comme ceci avec le pare-choc, beaucoup agressif. La calandre en nid d'abeille avec le contour en alu brossé, voilà, elle a vraiment une gueule agressive la voiture. Donc celle-ci, elle dispose pas du tout ouvrant, donc je me posais la question si elles ont le tout ouvrant, les B8 comme ça, en RS4. Donc là, vous la voyez en 3/4, elle est vraiment dans un état irréprochable. On ira vous faire un bel essai routier après. Donc là, de l'arrière, c'est comme ça avec le logo, les pots ovales. Ça rend vachement bien à la caméra. Franchement, le gris, ça ressort vachement les couleurs du véhicule. Vous voyez tout ce qui est les ailes bombées, comme ça, l'avant, l'arrière, les côtés. Donc en option dessus, on a les radars de recul, la caméra de recul. Donc c'est un véhicule très spacieux. Coffre électrique, c'est bien. Ça vous évite de lever à chaque fois. Donc le coffre, il est comme ça. Ça fait comme sur la A4 que j'ai. Donc là, vous avez la petite trappe, voilà, regardez le coffre, il est spacieux. On peut rabattre les sièges, vous avez la trappe à ski qui est juste ici. En dessous, on a la batterie et voilà. Donc pour les places arrière, c'est comme ça. Donc là, je vous montre le cockpit, voilà, boîte auto avec tous les boutons ici. Franchement, le volant, il est super beau en cuir, c'est un intérieur semi-cuir, donc Alcantara cuir. Franchement, la voiture, elle est très agréable. Moi, quand j'avais fait l'essai, c'était une très très bonne voiture. Voilà l'intérieur, donc c'est un véhicule qui a pas de kilomètres, voilà, il a que 100 000 km, disponible à la vente. Side de porte RS4. Les panneaux de port comme ça, en carbone, tous les petits boutons, les réglages des sièges et tout. Bon les gars, on se retrouve directement chez IMAX Auto sur leur parking où il y a du nouveau bolide qui est rentré. Donc là vous voyez que j'ai pas la même tenue, je suis revenu quelques jours plus tard car ils ont fait rentrer cette deuxième RS4. Voilà, donc c'est exactement la même que la grise que j'ai ramenée. Donc aujourd'hui on va les différencier, donc celle-ci elle est full black. Et là, on a la version en grise. Donc, je vais les comparer surtout au niveau de l'échappement. Vous allez comprendre pourquoi. Car celle-ci, quand on l'a ramenée, elle était d'origine niveau l'échappement. Et du coup, ils ont viré les silencieux. Et celle-ci, elle est d'origine. Donc, vous aurez l'origine et avec les silencieux enlevés. Et vous allez voir, ça fait vraiment un bruit incroyable. Déjà, au démarrage, le bruit, il est monstrueux. Et en roulant, c'est un truc de fou. Donc là, je vous montre les RS4. Comme vous voyez, c'est des jantes rotor en 20 pouces. Sont magnifiques en 20 pouces, franchement j'adore. On peut voir également les disques ventilés percés, c'est magnifique. Les rétroviseurs alu brossé avec sa magnifique calandre. Vous voyez les écopes des bas de caisse qu'on reconnaît que c'est une RS4. C'est beaucoup plus bombé que sur une A4 normale. Les ailes également à l'arrière, vous voyez
la petite rainure. Donc vous allez voir sur la grise, ça, on voit vachement la différence avec le noir. Il y a plus de forme sur la grise, vous allez remarquer, parce que la couleur est claire. Donc celle-ci, elle a des cales, comme on peut voir en 15 mm à l'arrière. Et sur la RS4 grise, elle n'a pas de cale. Donc on voit sur la RS4, on n'est pas à fleur. Enfin sur la RS4 grise, on n'est pas à fleur comme sur la RS4 en noir. Donc pour l'arrière, donc c'est les mêmes feux, donc c'est des feux à LED, voilà. Vous avez le logo RS4 qui est de couleur chrome pour les deux véhicules. Le diffuseur RS4, voilà, avec les deux embouts ovales qui sont énormes. Regardez, je rentre quasiment mon poing. Le petit aileron, le logo noir pour la RS4 noire. Coffre électrique. L'intérieur de la RS4 noire qui est magnifique. Vous pouvez voir le compteur. Franchement, elle a un intérieur, il est magnifique. Intérieur noir comme ça, franchement, c'est super beau. Ciel de toit noir, store noir à l'arrière. Et comme on peut voir sur la grise, c'est un semi-cuir, alors que l'autre côté, on est sur un full cuir. Et c'est exactement les mêmes. Donc on va passer au capot moteur pour vous montrer les moteurs qui sont pareils tous les deux. Donc c'est un véhicule Atmo, donc on ne peut pas le préparer niveau moteur, quoique tu vas gagner 20 chevaux. Mais bon, sur ce genre de véhicule, je pense une bonne admission pour faire respirer le moteur et vider son V8 en mettant en échappement, il n'y a pas mieux. Donc vous voyez les deux moteurs identiques des deux RS4. Bon les gars, c'est parti, je vais aller essayer la grise car je kiffe le bruit. Moi j'adore le bruit du V8, surtout celle-ci avec le bruit qu'elle fait. Donc je la démarre avec vous en mode dynamique bien sûr. On dirait un lion, c'est bon, la ceinture. Les gars, on est parti. Voilà, avec ma tête, comme d'habitude, on met la ceinture avec les magnifiques sièges F1. Ah, je suis attaché. Voilà, on est parti. Allez, les gars, go. Oh là là, c'est beau quand même. C'est beau, hein, on voit bien, c'est cool, on est parti. Donc hop, direct, on se met direct en S, voilà, on cherche pas à comprendre. Au revoir la S8, enfin la A8 Mazou, ah, les gars, A8 Mazou, mais gros V8 là. Oh là là, est-ce que t'entends ça? Ah, c'est beau, c'est très beau. Oh, c'est très beau, il y a un peu de monde. Donc les gars, n'hésitez pas à venir à IMAX Auto, hein, à Saint-Maurice-de-Bénaud. Je vous mets les liens dans la description, comme d'habitude. Voilà, véhicule disponible. Véhicule propre, tout est carré, tout est contrôlé ici. Oh, ça fait un bruit de fou les gars, franchement ça fait un bruit de malade. Donc là on est parti pour faire le petit essai routier. Je passe les rapports. Maman, écoute maman, écoute ça. Écoute. La 8, elle part quand même un peu plus vite. Hein. À bas régime, hein. Le couple des deux turbos quand même. Ah, je vous ai dit, mon A8, c'est peut-être un grand Mazou, une voiture de PDG, mais ça en a dans le ventre. Franchement, la A8, les gars, avant que je la prenne, tout le monde disait, mais non, pourquoi tu prends ça, c'est de la merde et tout. Je vous jure, les gars, c'est une voiture de malade mental. On va faire un peu d'autoroute comme d'habitude. Ça chasse, hein. On rétrograde. Tout aux palettes, les gars. Je vous fais des vidéos pour vous. Hein. Tout aux palettes. On va fermer la fenêtre, là, parce que c'est le bordel. Putain, c'est impressionnant. C'est parti. Putain, ça arrache.
avec la Ford Fiesta. Putain, ah les gars, c'est franchement le bruit est monstrueux. Bon, ça marche pas autant que la S8 que j'ai essayé chez IMAX, hein. Mais dans les tours, par contre, elle tire, hein. Elle a la santé, la voiture. Hein. C'est incroyable, les gars. Franchement, c'est incroyable. Là, j'adore le bruit. Ah, les gars, il me faut un essence. J'ai eu beaucoup de gros diesel dans ma vie, mais un essence. J'ai le permis moto, donc j'ai pu m'amuser avec des grosses bécanes. J'ai eu un Z1000, j'ai eu une 660 XTX. Enfin, j'ai eu de la Z7,5. J'ai eu une Suzuki, je sais plus c'est quoi. Mais là, une renvoiture, hein, c'est... Essayer de me doubler, lui, t'arriveras pas à me doubler, tu peux pas me doubler, tu vois pas, je suis dans la RS4, il y a la Ford Fiesta, bordel, oh putain, il y a des polices là-bas. Bon bah les gars, j'espère que vous avez kiffé l'essai routier. En tout cas, Nico, il m'attend depuis tout à l'heure, le pauvre, il doit fermer le garage, et je m'excuse encore Nico, hein, toi-même tu sais pourquoi. Donc là, on retourne à IMAX Auto, c'est les bouchons, c'est le bordel, je me suis mis en mode drive, tranquille. Et on va retourner, enfin tranquille. Non Nico, je peux pas rouler vite là Nico, tu le sais, je peux pas. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous laisse voir la suite de la vidéo. Bon bah les gars, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet essai routier vous a vraiment plu. Donc voilà, j'ai préféré prendre la grille, surtout pour ce son magnifique que vous avez entendu. Donc faut bien se mettre en mode dynamique. Donc Nico, si tu vois la vidéo, je te remercie. Parce que déjà, quand j'ai démarré en auto, ça faisait un bruit monstrueux. Mais quand j'ai mis en dynamique, ça n'avait rien à voir. Donc en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez la grise ou la noire. Moi j'ai une préférence pour la noire, mais avec la config de la grise. C'est-à-dire la ligne. L'intérieur, par contre, je garderai le volant, mais plat de celle-ci, que vous avez vu, il est magnifique. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte IMAX Auto, que j'affiche tout de suite. Je vous le remets en description, allez leur donner de la force. Voilà, si vous cherchez un véhicule de prestige, c'est ici qu'il faut venir. Ils sont super gentils, voilà. De toute façon, pour ceux qui avaient vu les vidéos, ils sont vraiment top. Regardez derrière. Il n'y a personne qui l'achète avant moi. Non, n'hésitez pas, les gars, si vous souhaitez l'acheter... foncez, parce que moi, vous savez, c'est la version d'avant que je préfère. C'est celle qui a les feux pas rostylés comme celle-ci et puis qui coûte un peu moins cher. Voilà, en fait, je veux vraiment celle du transporteur. Si dans le transporteur, il y aurait eu celle-ci, bah, j'aurais pris celle-ci. Mais en tout cas, c'est un bijou. Donc voilà, les gars, je vous embête pas plus. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.